Pierre Perrault, bah, c'est un cinéaste documentariste d'abord. Il n'a pas fait de fiction, il refusait et rejetait d'ailleurs la fiction, souvent de façon assez virulente. Et il est surtout connu, il a commencé à faire du cinéma dans les années 60 et il est un des principaux artisans au Québec de ce qu'on a appelé le cinéma direct. Oui, donc je vais parler, lire un extrait du règne du jour, enfin pas du règne du jour, de ce que dit Pierre du règne du jour, et en particulier de Marie Tremblay, donc la femme d'Alexis, et dont Pierre disait que Marie était vraiment son amour de cinéma. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il dit, donc, Marie, elle, était beaucoup plus réaliste et concrète. Elle a vécu des moments merveilleux. Elle contredisait doucement Alexis à l'occasion parce qu'elle trouvait qu'il exagérait. Toute son histoire de vie a été en quelque sorte couronnée par ce voyage qu'elle a vécu purement et simplement comme un conte de fées. C'était vraiment la bergère devenue reine. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a gardé de ce voyage une espèce de délice. Chaque fois que j'allais la voir, il fallait parler de la France, parler de ce temps de sa vie où elle n'avait pas travaillé, où elle n'avait pas eu à se préoccuper de la vie, où tout se faisait facilement pour elle. Pierre était, alors, il était farouchement québécois, c'est-à-dire que pour lui, la réalité, ce qui était important, son pays, c'était le Québec. Comment ça s'inscrivait politiquement, c'est un peu difficile. Bon, je pense qu'il a été, il a voté Parti québécois, René Lévesque, qu'il admirait beaucoup, mais est-ce que il aurait suivi, bon, il y a d'ailleurs dans les années 70 la revue Parti pris qui lui a beaucoup reproché justement d'avoir des prises de position nationalistes un peu réactionnaires. C'est vrai que à l'époque dans les années 70 la revue Parti pris prônait plutôt une société de type marxiste, disons, bon, peut-être pas communiste, mais en tout cas marxisante. Et c'est vrai que Pierre était pas du tout ça. Lui, ce qu'il aimait, et je pense que c'était là sa position politique la plus importante, c'était le pays, le Québec, et avec la culture, la tradition, le parler, toutes ces choses-là, c'était ça. Et pour lui, il trouvait que c'était très très important que le Québec ait ses moyens de production. C'est ce qu'il appelait la reconquête des maîtrises et toutes ces choses-là. Pour lui, ça, c'était essentiel. C'est une approche documentaire qui... Alors d'abord, il n'y a pas de commentaire en voix off. Ça, c'est éliminé du cinéma. Et ce sont donc les gens qui s'expriment et qui vivent des situations. Et c'est particulier, et on les filme en s'intégrant, si on peut dire, à l'action. Donc c'est vrai que Brault, par exemple, a été Michel Brault, avec qui Pierre a travaillé d'ailleurs, ou Michel a travaillé avec Pierre, à voir. Qui était un caméraman, en plus d'être un réalisateur, un caméraman extrêmement connu, passionné par la technique. Et il a beaucoup fait, il a été un des premiers à faire beaucoup de tournages avec caméra à l'épaule, ce qui lui permettait carrément de rentrer dans l'action, quoi, et de filmer l'action de l'intérieur, avec les protagonistes. Et c'est ça, essentiellement, je pense que c'est comme ça qu'on peut définir le cinéma direct.
C'était clair qu'il ne voulait pas faire de commentaires en voix off, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était présenter les gens et que les gens s'expriment. Les mettre dans des situations, je pense que c'est peut-être là l'apport le plus important de Pierre, c'est qu'il le dit lui-même, quand je mettais deux personnes en présence, et que deux personnes s'engueulaient, par exemple, ou en tout cas argumentaient, j'avais du vécu. Et en fait, c'était ça qui m'intéressait. C'était que les gens s'expriment, disent ce qu'ils pensent. Voilà, c'est ce qu'il a appelé, d'ailleurs. Lui, il préférait appeler son cinéma le cinéma du vécu, d'ailleurs, plutôt que le cinéma direct. Quand il voulait faire un film sur un sujet, il partait dans le lieu qu'il voulait filmer, avec une thématique en tête, et il essayait de rencontrer des gens. Alors souvent, il avait quand même au départ une personne qui pouvait l'amener vers d'autres personnes. Bon, par exemple, pour les films sur les Indiens, il connaissait Alexis Jovenot, qui était un prêtre et qui travaillait avec les Indiens montagnés. Et c'est vrai que Alexis Jovenot lui a présenté tous les protagonistes de ses films sur les Amérindiens. Donc voilà, c'était comme ça. Il allait dans un lieu, il rencontrait des gens, il posait des questions. Il voyait si ces gens étaient capables d'être à l'aise devant une caméra, de s'exprimer, et surtout avaient un discours qui n'était pas celui de Pierre, parce qu'il s'est toujours défendu, et je pense qu'il est très sincère, très honnête. Il n'a jamais voulu imposer son discours. Il a voulu poser des questions, réfléchir à une situation et proposer à des gens de réfléchir avec lui à cette question et de dire ce qu'ils ont envie de dire. Bon, il avait la chance de travailler à l'Office national du film du Canada, surtout à l'époque, était vraiment un lieu où l'on pouvait faire un cinéma de recherche, de réflexion, où il n'était pas comme ça, on disait, vous avez que 3 semaines de tournage, ou pas. Bon, il pouvait parfois y aller, bon, par exemple, pour ses derniers films sur le bœuf musqué, il est retourné 3 étés de suite dans le Grand Nord, dans l'Ungava, parce que il n'arrivait pas à trouver ce qu'il était allé chercher. Donc il est retourné. Bon, non, je pense qu'il a eu la chance de travailler dans de bonnes conditions et donc de pouvoir prendre le temps de rencontrer les gens, de les faire parler. Il prenait aussi beaucoup de temps pour le montage. Le montage est une partie très très importante des films de Perrault, indéniablement.